Salut Kido. Ça va, tu m'entends bien par rapport au jeu parce que... Ouais, tu m'entends bien par rapport au jeu parce que je sais que le jeu est assez fort. Donc c'est juste pour vérifier. Ouais, j'en profite, je préviens 2-3 personnes si elles veulent passer. On verra. Ouais, ça va, on entend bien. Ok, cool. Du coup, je vais m'y mettre vu que t'es là, Kido, quand même. Et bon, on verra. Bon, alors, c'est. Ça va être quand même du. Un minimum low cost, hein. Ah, salut, Elix! Comment ça va? Ouais, du coup je vais m'y mettre. Alors tac, j'essaie juste d'avoir mon chat sur mon portable, ça serait cool. Si l'application veut bien. Voilà. Du coup je découvre le jeu. Hein. C'est vraiment. Mais attendez, je regarde ce qu'est-ce qu'on dit là. Attends une seconde, je réponds vite fait et je vais mis vite fait sur Steam parce que je commençais à ramener 2-3 personnes à droite à gauche, mais bon, je pense que ça va se remplir au fur et à mesure. Ouais, ça va et toi, Elixir? Ouais, bah ça va super bien. En tout cas pour l'instant, hein. Peut-être que je vais prendre la branlée de ma vie sur le jeu là, j'ai pas. Allez, c'est parti, on va s'y mettre. Tac, tac, tac. Alors là, j'ai déjà quelques minutes sur le jeu, mais en fait, j'ai rien fait. Hein. Je faisais juste des tests pour voir si le stream était pas trop dégueulasse. Et vous allez pouvoir me. En juger par vous-même, c'est un peu low cost mais pas trop, ça va. Le jeu est assez joli pour que même avec mon 480p d'enfoiré, ça passe bien. Ouais, du coup, j'avais déjà essayé de récupérer. J'avais une clé pour la bêta fermée et du coup, j'avais demandé une version. Fait choisir sa version, j'ai demandé une version PS4. Et malheureusement le jeu bah il prend 30 gigas quoi. Donc en fait j'ai même pas pu le télécharger dans les temps quoi pour y jouer. J'étais un peu deg, je vous avouerai. Donc là c'est vraiment le tout début. Donc là pour l'instant tout ce que je sais c'est qu'on peut courir, on peut se planquer. Bon pour l'instant c'est tout ce que je sais. Ça va être un peu freestyle. Alors j'ai vu que V c'était pour soigner apparemment. Enfin c'était le raccourci clavier pour soigner. Après les chiffres ça va être sûrement ma barre de vie. 30 ça va être ma barre de vie. 100... Alors après je sais pas encore hein, ce que c'est 540. Hein. C'est peut-être mon arme. Donc là on est vraiment au début et je suis censé rejoindre
le camp de réfugiés. Alors, apparemment, c'est du post-apo, d'après ce que j'ai compris. Il y a déjà des joueurs là. Ah, je peux appuyer sur tab et afficher le jeu. Ah non, je peux voir les joueurs qui sont à proximité. Ça a l'air déjà de bien tenir leur route. De bien tenir la route, leur truc là. Bon, déjà, peut-être que ça se voit pas, mais. C'est sympa. Franchement, c'est assez beau. Et les reflets au sol. Ah, ça se voit que je suis dans l'endroit où il y a tous les joueurs, il y a tout le monde qui court partout. Pour l'instant, je peux pas. C'est pour plus tard. Donc, c'est du post-apo, et en gros, apparemment, il y aurait un virus qui aurait affecté une grosse partie de la population. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des chambres de décontamination. Sur elle, écran des capacités. Alors, des compétences sont disponibles. Les compétences étendent vos possibilités grâce à de nouvelles options tactiques. D'accord. Équiper une compétence. D'accord. On va regarder ça. De toute façon, je peux le faire reculer. Alors, impulsion. Envoie une impulsion de détection qui marque les ennemis et les alliés à travers les murs et les abris. Ah ouais. Donc, déjà, c'est en mode cheatage, quoi. C'est n'importe quoi ça. Augmente la portée du scanner et localise des conteneurs à butin. Ah, ça c'est bien par contre. Conteneurs à butin. Ça m'intéresse plus déjà que de savoir où sont mes ennemis. Ok. Alors c'est quoi technique? Une bombe qui se colle aux surfaces rigides puis explose lorsqu'on la déclenche à distance. Pas mal. Ah donc il y a des dégâts d'explosion. Ah et donc sûrement que ça évolue vu qu'il y a des... on doit pouvoir ajouter des bonus apparemment. Ok, et sécurité c'est quoi? Équipe un bouclier balistique portable qui absorbe les dégâts. Ah, il dit que c'était ta connexion qui déconne. Ok. Ok, pas de soucis. J'espère que tu pourras profiter au moins de ça. Hein. Sinon, de toute façon, je la posterai sur mon... Je pense que je la posterai sur mon YouTube, quoi. Pour avoir ça en VOD. Qui peut utiliser... Ah ouais, c'était quoi? C'est un bouclier. Ouais, l'utilisateur ne peut utiliser que son arme de poing tant que le bouclier est activé. D'accord, donc c'est un bouclier devant moi, d'accord. Ok. Non, mais on va mettre le truc de détection déjà. Ça serait pas mal aussi. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc la signe, un emplacement. J'ai pas le choix là, apparemment. Non disponible actuellement, non disponible dans la bêta. Ah, les enfoirés! Bah, ça sert à quoi de me dire qu'il y a des capacités si je peux pas les mettre? Ouais. Je veux équiper une capacité. D'accord, là je peux pas signer. Donc je signe sur eux, ok. Il a fait peur, je crois qu'il est. Alors, j'appuie sur eux. Bon, en ville ça fait rien donc je pense. Ah si, on voit quand même. Ouais, on voit mon petit rond rouge qui se déclenche. À mon avis, je peux pas le faire à l'intérieur de la ville. Bon, on va me dire à l'intérieur de la. Oh putain, les cadavres. Je suis en train de courir sur des cadavres, y'a pas de problème. Ah ouais, c'est du sérieux quoi. ça rigole zéro là. Mais c'est vrai que franchement, pour l'instant, bon là, j'ai pas encore vu les décors de la ville. Mais ça a l'air vraiment, vraiment très très bien fait. Ah ouais. Ah ouais, je m'éclate tout. Ah, je vais mettre un petit coup de... Ah, c'est pas mal, ça.
sauter par-dessus un abri. Maintenez contrôle quand vous vous déplacez. Ouais, en gros, je cours comme un dératé, quoi. On peut pas sur une voiture? Ah d'accord, faut que je fasse ça. D'accord. Ah oui, c'est gymnastique quand même, hein, parce qu'il faut que je fasse Shift-Control. D'accord. Donc pour l'instant, laissez les touches normales, les touches standard. Niveau 2 à 4, d'accord. Donc apparemment, je suis niveau 4 au début. Donc on peut se planquer, de toute façon, c'est un TPS... enfin, j'allais dire basique, non, pas basique, mais bon. Mais presque, quoi. C'est-à-dire, on doit se planquer, on doit se couvrir pour tirer. Attends, par contre, ça va un peu vite. Ok. Enfin, je m'habitue. Ah, d'accord. On peut faire des roulades. Ah, ça, c'est cool, hein. Ah, je kiffe l'exploration, je vais m'amuser quand même, tu fous, là. Ok, d'accord, bon, on va voir. Donc je suppose que pour l'instant, c'est vu que c'est une bêta, sûrement que c'est l'IA qui va être l'ennemi, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Ah, portable. Je gagne de l'XP, d'accord. Enregistrement téléphonique trouvé. Et je peux pas le lancer ? Les Intel ramassés se trouvent dans le menu Intel. Donc je fais ça. Non disponible pour la bêta, d'accord. On pourra trouver, je suppose que c'est des... sûrement... des documents audio pour l'ambiance, quoi. Qui vont parler sûrement de la catastrophe. Voilà. C'est un civil blessé ? C'est ça ? Qu'est-ce que... Je peux pas l'aider ? Pas de menace trouvée. Bah je vais... Je sais pas, je vais la suivre. Si elle arrive... Ou elle est infectée ? Ah non, on peut pas... Attends, comment on peut... On peut pas se planquer et aller direct là ? Bizarre ça. Passer à l'arme secondaire, d'accord. Et à l'arme primaire. L'arme de poing, l'arme secondaire. Ouais, on a trois armes. Donc. Une arme de poing et deux armes. Deux armes d'assaut. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va le chien? Tu veux un cookie? J'aimerais bien la musique là. Je vais me promener, je vais y aller au hasard. De l'Eastside à l'Hudson, du Bronx au Queens, de Brooklyn à la Statue de la Liberté. Sauf Staten Island, ça c'est de la merde. C'est moi, avec Valassi pour Compass. Comment ça, Staten Island c'est de la merde? Je suis un peu déçu, la radio elle a pas explosé. C'est vachement détaillé, je sais pas trop si on peut... Si on peut pousser les objets, pour l'instant ça a pas l'air. Peut-être certains types d'objets, genre des bidons, des... renverser des poubelles peut-être. Dans le feu de l'action. Montez là-dedans ? Ça c'est cool ça. Par contre j'avoue, on peut vraiment utiliser tout le décor apparemment pour se planquer. Ça c'est cool. Attends, je vais prendre de la hauteur. Merde, merde, merde. Trois ennemis trouvés. Oula. Attends, je vais prendre de la hauteur. Comme ça. Comme ça, je vais pas me faire niquer. Là, normalement, ils sont juste en dessous de moi, c'est ça? Il faut que j'attende qu'on va pouvoir se recharge.
On peut ouvrir les portes. Ah, on peut ouvrir les portes? Oh, attends. On peut rentrer dans les bâtiments. Par contre, est-ce que j'ai une... J'ai pas une flashlight? Non, j'ai pas de... Encore ça va. Faire un petit scan. Par contre, ça augmente, mais... Oula. J'ai l'impression qu'ils sont... Ah, ils sont en dessous de moi, pardon. Ça, je peux pas l'ouvrir. Ah, dommage. J'aurais bien fouillé les... Même s'il y a rien dedans, tu vois, ça aurait été sympa de pouvoir se perdre dans le dédale. Je pense que c'est juste un raccourci, ouais, pour aller en bas. Que ce soit parti en comme ça. Rien à foutre. New York, c'était déjà tout pourri avant que ça arrive. Oh. Est-ce que ce serait des... Est-ce que ce serait des ennemis? Gaspillez pas vos balles. On va tellement se buter. Headshot, bitch. C'est comme ça qu'on fait. Alors on peut pas les... On peut pas les fouiller. D'accord. Là, par contre, je vais dire, j'ai pas beaucoup de balles. En fait, j'en ai pas mal. On va casser les cadenas. Je cherche les limites du jeu. On peut casser les cadenas. Ah, je peux pas m'accrocher au corniche. C'est quoi ce bruit? C'est un téléphone? Ah si. Message d'Elvaro. Ouais, mais du coup, bon, dans la bêta, ça sert à rien. Ça c'est pas mal pour récompenser, enfin j'espère que ça récompense bien bah, les gens qui aiment bien explorer quoi. Ah je peux pas par contre on peut pas. Je pourrais pas accrocher comme un Yamakasi quoi. Ouais. C'est pas Dying Light, tu peux sauter comme un fou furieux. T'es quoi, t'as un civil? Casse-toi de mon territoire. Bon, en gros, les civils, ils ont la gueule de SDF, c'est ça. Ça, par contre... Ah, mais il a vraiment une plaque de flic, quoi. C'est les flics modernes. Ça fait penser à... Pour ceux qui ont joué à Wasteland. Wasteland 2. Que je conseille, hein, qui est vraiment bien. C'est les Rangers qui font la loi. Ah, tu m'étonnes que c'est un film là. Qu'est-ce que vous faites? C'est un proxénète lui! Viens ici toi! Remplacer de la sélection? Quoi, je peux le suivre? Tu vas où là, bonhomme? Tu t'enfuis où? J'ai envie d'y tirer dans le genou pour voir si ça marche, mais bon, ça sait pas trop quoi. Je sens que ça va être la merde si je tire dessus. Y'a nulle part où aller. T'es ça, casse-toi. Bon, pour l'instant, on va faire le gentil. Par contre, je sais pas si on peut monter. Ah ouais, cool. On peut grimper les grilles. Non, c'est pas mal pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, c'est en train de se battre, là. C'est en train de voler une télé, là. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous disputez pourquoi là? Lâche ça! C'est bon, lâche c'est bon, ça. Je m'en vais. Voilà, je préfère. Oh, génial! Je vais faire péter les pneus. Je pense pas que ce soit comme dans
C'est surtout, ouais, faire péter des petits trucs comme ça. Je pense pas que ce soit comme dans le dernier GTA, apparemment. Enfin, moi, j'avais vu des images, j'y ai jamais joué dans les GTA, mais on peut apparemment déformer les bagnoles, mettre des coups de poing dedans et tout. Après, c'est pas... Ah, c'est pas très réaliste, quoi. Quand tu mets des coups de poing dans une bagnole, de toute façon, c'est toi qui te défonce. C'est pas la voiture. Après, je connais pas trop New York. Non, ça ressemble pas mal, hein. Ça ressemble comme dans les films, mais... Après, je pense que c'est encore plus sympa pour quelqu'un qui a déjà visité New York. Il y a un guide de survie. Ah, ça m'indique sur le radar. Un guide de survie. Vas-y, je vais trouver le guide de survie, moi. J'ai l'impression que les portes vertes, on peut pas les ouvrir. C'est quoi ça? Et? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que j'ai indiqué un point de ravitaillement ou quelque chose, c'est bizarre, parce que c'est une trousse de soins. Peut-être que je peux revenir chercher des soins, j'en sais rien. Là, je suis total découverte, là. Ouais. Ah non, ça fait tomber l'objet. Genre, c'était un soin. Attends, si j'appuie sur V. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de déclencher. Hein. D'accord. Ça va faire pareil, là. Une catégorie vous récompense. Ah, trouver donc les Intel et sa récompense de vêtements uniques. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est sympa. Du coup, on pourrait avoir un... si on explore, on sera récompensé, on aura un visuel alors unique entre guillemets bien sûr parce qu'à mon avis. Oula. Bah bien sûr. Bien sûr que je peux voler tout ce qui vous appartient. Prenez ce que vous voulez. Mais laissez-moi partir. Bim! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis la loi! Bitch! Headshot! Respectez mon autorité! Oula, 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 oula! Calme-toi, jeune homme! Je crois que le cadavre a encore d'espace. C'est énorme, il a la jambe qui part. Bon, ça c'est le ragdoll, hein, c'est normal. Ah, on peut même pas. Enfin, j'allais dire le ragdoll. Non, je peux même pas le. Je peux même pas le traîner avec moi. C'est juste une poupée de chiffon qui essaye de s'accoupler avec le, avec les fleurs. Alors, j'étais censé. Elle est par là, voilà. Attends, c'est quoi ça? J'ai un petit truc sur mon radar. C'est derrière ça. Et ça indique quoi ça? Ah, je peux fouiller un objet, ouais. Plus une balle explosive. C'est-à-dire. Balise d'écho actif détectée. What? Données du cloud. Données de surveillance. Analyse en cours. Ouais, je me fais pirater ou c'est moi qui pirate? Activer écho. Ok, c'est parti, vas-y, active. Merde! Ils nous ont trouvés, on est foutus! Pute, par ici! Quoi? Par-dessus la clôture? Bah quoi, des bras? T'as jamais pris de raccourci dans la vie? D'accord. Alors c'était sympa, mais je sais pas si c'était censé être animé, le souvenir. Ah non, on le voit. D'accord. Statut actuel néant, profession branleur professionnel. Détail, le plus mauvais de sa classe en cours de sport. Excellent. Ah, ça me rappelle un peu Watchdog. Vous pouvez voir la vie privée des gens. Debra Jensen. Alors du coup, c'est sa sœur ou sa femme? Ah non, ça va être un ami.
Statut actuel néant, profession serveuse au café Kerman. Détail. Peine en cours pour détention illégale de stupéfiants. D'accord, ok. Que des gens sympathiques. Non, ça me rappelle pas mal Watch Dog dans le. Dans ses effets de rentrer dans la vie privée des gens. Bon, là, c'est un peu comme si j'étudiais le passé, quoi. Vous êtes proche d'un écho lisible. C'est-à-dire. On parle du point. Voilà. Ah, mais c'est le même, non? C'est ça, c'est le même? Ouais, c'est le même, ok. D'accord. Ça, faudrait qu'ils améliorent ça histoire qu'on se leur tape pas à chaque fois qu'on passe à côté. Ah, je crois qu'il y avait des ennemis par là. Il y a des crounards? Ça va, les mecs? Tranquille? Garde la pêche? Si j'étais en joue, ils vont se calmer là. Non? Même pas! Les mecs, ils veulent m'affronter! Les mecs, j'étais en joue avec une. Avec une arme de guerre, ils veulent quand même m'affronter. Est-ce qu'on récupère sa barre de vie? Ah ouais. Donc, c'est un peu à la. Ouais, de toute façon, c'est Ubisoft, hein. C'est un peu à la Assassin's Creed. Tant que tu perds pas un carré de vie, tu peux le récupérer en. Tu peux récupérer ton souffle. Même si t'as mangé des balles, tu peux récupérer ton souffle. Tu reprends ta barre de vie. Ah, petit erreur. T'as le prix. Excellent. Eh, monsieur, vous avez laissé d'une manière suspecte. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Wouah, intervention. En plus, c'est plutôt madame. Calme. Tu me dis pas de rester calme. Oula, oula, j'ai chopé les grenades. Attends. Je peux rouler comme ça, je peux changer les armes. C'est avec G les grenades. Ah d'accord, c'est pour choisir, c'est le menu grenade. D'accord, ok. D'accord. Qu'est-ce que veut le mec? Ça va, monsieur? Monsieur, faut pas rester ici. Va dormir là. Monsieur, faut pas dormir là. Putain, j'ai foutu la roue dans la gueule, y'a pas de problème. Parcours. Yeah. Qui n'a jamais rêvé de monter sur une bagnole de flic? Oh, c'est génial, t'as la neige qui part. Avec les pas. J'ai vu tout à l'heure, on pouvait... quand on marchait dans la neige, il y avait aussi les pas qui étaient imprimés dedans. Ça va devenir une norme maintenant. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'active mon truc. Un petit écho. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Bon, déjà, j'ai des potes à venir aider. Communication radio JTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Je vais montrer comment on tire. Faire comme ça. On peut envoyer une grenade? Ah, on peut tirer alors qu'on est en couverture. Je sais pas comment on fait, attends, c'est quoi les grenades? Vas-y, j'ai testé le petit flingue aussi. Merde. Tiens, on a le droit. Bim, 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 bim. Bon. Force hostile en approche. Bah, je les attends. Putain, y'a un civil en plein milieu. Casse-toi le civil. Pas mal, en fait.
Cible sécurisée. Aucun hostile à proximité. Easy money. On serait tous morts. Je suis content que vous soyez là. J'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille de la GTF. Ah bah c'est sûr qu'ils vont réfléchir à deux fois, ils sont morts. Ils réfléchiront plus du tout. Bon, attends que je me vite, vous allez me voir souvent faire des roulades dans les murs, y'a pas de problème. Ah, donc là, y'a un objet, là. C'est quoi, ça? Une veste de garde. Ah, bah ouais, je vois. L'inventaire et s'équiper des objets volés. Ouais. D'accord. Alors, attends. Ça, il les porte pas du... Si, il les porte. D'accord, tout ce qui est en verre, il les porte. Tout ce qui est pas en verre, il les porte pas. Alors, est-ce qu'on peut savoir... Ça, c'est un sac de survie, ouais, niveau 3. Je suppose que ça dépend aussi de mon niveau, c'est ça? Je crois que je suis niveau 4, donc normalement je peux le mettre. Attends, par contre, comment on équipe? Ah, je peux inspecter. D'accord. Voilà, il est équipé alors, mon sac. Ouais, chercher dans le sac. Y a pas de jus de cette catégorie, d'accord. Bon. Donc j'ai ça. Je peux comparer. Ah oui, donc ça c'est ce que je porte et ça c'est ce que j'ai ramassé. Ah, d'accord. Il m'a équipé là. Ah, visuellement on voit pas la différence. À mon avis, il faut vraiment voir la différence, faut vraiment voir les... Ah bah maintenant c'est ouvert. Ah non, pourtant ça c'est... Ouais, c'est un peu bizarre leur code couleur, bon. Ok, soit. Donc là j'ai le mur à armure mais ça se voit pas. Centrale, ici Phalo. Agent de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici, nous envoyer... Envoyez-le tout si vous pouvez. Hey, y a quelqu'un au moins? On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Ça va être là-bas d'ailleurs. Ça va être le bordel. Alerte. Connexion au canon radio JTF locaux. Unité 43, les renforts arrivent. Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position. Ce connard qui est sur la bagnole. Dites-leur de se pêcher. Porteur, on a des besoin de ça au niveau des escaliers. Martinez, tu vas sur le côté. Go, go, go. Ah, ils sont pas mal. Pas le coquetti. Oula, y'a un mec qui est en arrière là, non? Ah, d'accord. Pourquoi c'est rouge? Ah merde! Ouah, j'avais cru que je pouvais cheater et changer d'arme que ça recharger toute seule, mais c'est pas le cas. Par contre, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir tirer dans les roues des bagnoles pour leur mettre la pression. Je sais pas si ça marche. On va leur faire peur. Ah si, il a bien une armure cet enfoiré là. Tiens. C'est notre pote. Centrale, la situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base.
Allez y jeter un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Qu'est-ce qui est de tendance ? Si je fais ça... Ah, c'est pas mal parce que du coup, là, je peux choisir équiper l'objet. Ah, là, j'ai une casquette. Cool. Ouais. Inventaire. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Bon, je vais voir. Il y a des niveaux d'armes, alors je sais pas trop pour l'instant ce que ça signifie. Ah, c'est pas mal, t'as quand même la précision des armes, ce qu'elles font. T'as quand même la fiche technique. Ah, il y a bien un niveau requis, hein, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah. C'est quoi le deuxième? Ça, c'est les balles. Ça, c'est les soins. Alors, je sais pas si ça veut dire tu peux équiper plus de soins, peut-être. Et ça, je sais pas, c'est une pile. C'est en compte, par contre. Attends, je suis à comparer que c'est mieux. Tu vois le détail? Non, c'est tout. Attribut mineur. Plus 12 en capacité de munitions. Ah! Ah oui, on est. Ah bah oui, vu que c'est un. Bah non, je suis pas en faute. Ça veut dire que tu peux mettre des chargeurs dedans. Ok. Qu'est-ce que tu me racontes? Grand chargeur. Ah! Niveau 5, ok. Il y a un symbole radioactif, hein. Je sais pas ce que c'est, mais. Par contre, attends, je vais juste regarder un truc. Je vais regarder. Comment on lance des grenades? Ça peut être quand même. Ça peut être utile. Non, c'est pas ça. Touche. Grimper, ça j'ai vu. Ouais. Interagir. Courir, ok. Courir, c'est pas mal d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il me raconte. Utiliser grenade CG. Bon. Mais j'en ai peut-être pas un peu après. Ah si, j'en ai une. Civil dans le besoin. Ah bah voilà, tiens. Oh, excusez-moi, je m'y attendais pas du tout. Une veste simple. Ok. Ça passe d'or si j'essaye d'équiper la veste. Pour l'instant, on va faire les missions qu'ils nous demandent. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, on peut rentrer à la base? Ok. Système de ventilation et de purification activé. Niveau de contamination en baisse. Ah ouais, t'es quand même contaminé quand tu sors dehors. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Des médecins par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden, mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le, il nous le faut pour mettre en place le département sécurité, et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Isaac peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base. De manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'emportera. Il y a plein d'informations. Alors, du coup, donc, ok, on peut améliorer des bâtiments. Hors ligne, aile de sécurité. L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore. Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. Je veux
J'active ça en premier. Ça peut me permettre d'avoir un bazooka. Où est-ce que je signe? Donc en fait, il va falloir remettre... ouais, c'est ça, il va falloir remettre la vie... La base des... La base des unités, alors je sais pas comment ils s'appellent, là, The Division d'ailleurs, c'est The Division. Il faut les remettre à... Vous êtes un modèle pour nous, vous savez. Déjà? Je suis déjà un modèle pour vous. Bon, j'avoue, je vous ai sauvé le cul une fois là, mais... C'est pas abusé. Alors, comment ça marche? Il y a plein de symboles sur la map, là, je suis en train de regarder. D'accord, fallait maintenir pour le raison. Ça, c'est à mon avis quand j'ai mon. J'ai sûrement un nombre de places limité. Je peux sûrement mettre des objets de côté. Ah, il y a des lignes. Ah, c'est sympa ça. Donc, il doit y avoir trois sections, la sécurité. C'est quoi, c'est les médecins, la verte. Cool. Wow, 400 balles. Ah, par contre, je kiffe là, les informations, un peu comme dans Dead Space, qui s'affichent à l'écran, je kiffe. C'est génial. On a besoin de vous. N'oubliez pas. On va se finir pour la bêta, ok. Bonjour, madame. Salut. Alors, comme ça, vous êtes un agent de la division, hein? Et ouais. Ah, super. Bon. Essayez de pas trop faire attention au carnage qui nous entoure. Paraît que les nettoyeurs s'attaquent systématiquement. Tous ceux qui ont essayé de faire la même chose que vous ont échoué et sont morts dans d'atroces souffrances. Ça les a pas aidés de bénéficier de plus de soutien que vous. Le destin frappe au hasard, il est cruel, on peut rien y faire. Alors autant rester positif. Faut quand même que je vous avoue un truc. Je préfère que ce soit vous qui alliez sur le terrain que moi. Ouais. En tout cas, je vous donnerai les infos, ok? Okidoki. Comment ça approche? On a besoin de vous. N'oubliez pas. Tout est à vendre ici. Alors. Première question, est-ce que j'ai des frics? Oui. Qui s'appelle des. Je sais pas quoi. Des yens. C'est pas le dollar yen euro? C'est le yes? Alors. Un laser. Oh, ça c'est bien ça. Putain, mais j'ai pas de fric. Bon, déjà, je reviendrai quand j'aurai au moins 200. Ah, par contre, je peux revendre. Ça, c'est intéressant. Putain, il propose de revendre ce que j'équipe. On a besoin de vous. Ah non, je l'ai pas. Sûr. Par exemple, ouais. Donc, je vends ça. Vous le savez, vous? Pourquoi le docteur Kendall est obnubilé par le consulat russe? Attends, je voulais voir. D'accord, c'est 25. C'est ici. Début de la gloire, début de la fortune. Ni repris, ni échangé, je te préviens. Je boirais bien un café, moi. Approche et regarde tout ça. J'ai pas de gants pour l'instant. Bon, de toute façon, je pense que je les trouverai, hein, mais. Pour l'instant. Ah, bah, c'est dommage tout ça. Regarde voir, y'a rien. Oh, un fusil à pompe. Kalachnikov, oui, 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 c'est beau tout ça. Le sniper, ah, je comptais là-dessus, moi. Tandis pour les stats. Le meilleur du quartier, c'est ici. Je fais ça. Ça, c'est normal, hein, portée limitée. Ça, c'est pas mal, là, les carabines. Ouais, c'est vraiment la carabine qui a la meilleure portée. Ah, ouais, il y a des talents qui viennent avec les armes. On a besoin de vous. L'arme inflige 5% de dégâts en plus quand la cible a une santé inférieure à 30%. Pas mal. Tu regardes et t'achètes rien. Super. C'est vraiment pour achever quoi. Meilleur prix, meilleur matos. Allez, viens voir. Ok, j'apprenais juste un truc là. On a besoin de vous, n'oubliez pas.
peux t'aider? Quel merdier. Alors, je sais pas jusqu'au bout. Je sais pas si on peut y aller. Il paraît que Passway grouille de nettoyeur. Jumper. Il est fou furieux avec les lance-flammes. Bliss prépare quelque chose. Il a fait déplacer de l'armement près du tunnel. Mais des gens avec des lance-flammes. Allez, quoi? D'accord. Et regardez ça ou ça va être trop tard. Donc là, j'ai mis ma carte à jour. Ouais, eux ils parcourent la carte et du coup on peut la mettre à jour. Par contre, attends. Comment on ouvre la carte? Wouah! Donc là, on est sur quoi? On est sur Manhattan? Ah ouais, le mec il s'y connaît pas du tout. Peut-être l'Empire State Building ça? D'accord. Légende. Ah, la légende. Wow. Et qu'est-ce que c'est que ces légendes de fou furieux? Alors, ce que je voyais tout à l'heure, je voyais des grenades. Ouais, c'est des lanceurs de grenades, ouais, c'est ça. Je voyais des ennemis avec une, un symbole de grenade. Donc, les chefs, ok, ouais. Guide de survie, enregistreur. Drone écrasé, d'accord. Ah, c'est ça la DZ, c'est la Dark Zone. Je voyais des Z partout. D'accord. Rencontre médicale. Ah, bah, je vais faire attention au petit triangle. Ok. Attends, est-ce que je peux te reparler du coup? Est-ce que t'as pas une mission pour moi? Allez, approche, approche. Tu dis que j'ai une mission. C'est quoi ces gros donuts là? Ça c'est vraiment Eric hein, avec leurs donuts. Salut Noodle. Acheté. Pour l'instant, l'aile médicale fait peur à voir. Mais une fois que la virologiste sera là, on pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de ravitaillement. Pour les civils. Mais pour nous aussi. D'accord. Apparemment, faut que je commence par ça, non? Ouais, salut Noodle, ouais, excuse-moi, je savais pas si t'étais sur le stream, du coup. C'est pour ça que... Je me disais, tu regardes, mais tu dis rien. J'ai dit qu'il y avait 4 personnes tout à l'heure, déjà. Que des ninjas. Alors. Fallait aller à la médicale, ouais. On va faire le tour. C'est vachement fouillé hein, déjà. Eh hey, toi, pour acheter, faut s'approcher. D'accord, je m'éloigne. On va regarder le catalogue. Joli, non? Ouais, très joli ton catalogue, y'a rien du tout, gars, casse-toi. Allez, je t'en veux pas. Alors, attention à la map là. Rien là. C'est au-dessus de moi. C'est ta cam là. Viens, viens. Ah, il y a vraiment personne là, c'est vraiment le chaos. Alors, comment on monte à étage? Je vais faire le tour. Je suis déjà perdu. Ah, par là. L'aile technologique a connu des jours meilleurs, mais si vous arrivez à ramener Rhodes, il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne le laisse pas être. Ah ouais? Je pense qu'il nous sera très utile. Ah, c'est bizarre ça, que je semblais des coups... Ouais, c'est bizarre. Ça m'a déjà fait ça, hein. Genre Twitch qui dit que t'es déconnecté alors qu'en fait t'es en train de streamer. Réussir la mission de la morgue du métro pour sauver Paul Rhodes. Ok. Bah vas-y, hein, on y va. Non disponible... Ah, on peut... Ah! Alors ça, c'est comme Watchdog aussi. On peut aller voir les caméras de surveillance qui sont encore en place, je suppose. Dans la ville. J'ai l'impression qu'ils ont... Ils ont pris un petit peu de toute leur licence Ubisoft pour faire un jeu, voilà, qui... Avec une nouvelle thématique. Une nouvelle licence. Et pour l'instant, c'est... Ouais, c'est plutôt des bonnes idées, hein.
nourriture ou des médicaments. C'est pas moi. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraînée toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben, j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. D'accord, ça a validé ma première mission. Ah, cool! Alors, attends, du coup, j'avais un item niveau 5. Ouais. Qui permet de sélectionner un objet dans un emplacement de mode et appuyer sur F. Ah, donc ça va augmenter mes statistiques. Taille du chargeur, 18,5%. Alors, M4, MP5. D'accord, bon, on va mettre ça sur... attends, comment on fait? Faut que j'aille sur arme. Non. Ouais, je clique là-dessus, là. Cette zone-là. F. Pour mettre en mode, ouais. Oh là là, le jeu... Le jeu du crafting... Je kiffe faire ça. Un petit peu de crafting. Donc là, c'est activé, c'est ça? Ah, là, c'est activé. Il y a une petite flèche... D'accord, ok. Je passe de 30 à 35. Ben là, c'est bien, ça. Cool. Faites de votre mieux, agent. T'inquiète. C'est les chiers. Bon, ben, on va sortir explorer. Pour équiper une deuxième capacité. Ah, cool. Ah, je pense que ça va vite parce que c'est la bêta. Mais... Ok. Alors je suppose qu'on peut pas prendre des trucs qui sont en dessous. Ah non, il faut améliorer d'abord l'aile médicale. Pouvoir faire les premiers soins, ce qui est logique. D'accord, donc là ça représente les trois ailes. Mais je ne peux pas pour l'instant. Ah ouais, il y a le même code couleur, d'accord. Donc vert pour le soin. Jaune pour tout ce qui est technique. Et la sécurité, c'est vous. D'accord, ok. Donc là. J'avoue que. Les grenades ou le bouclier? C'est quand même sympa le. Alors je voudrais voir comment ça marche là, le bouclier. Tac. Là si j'appuie sur un. Ça reste un certain temps ou. Ah! Alors ça doit rester. D'accord. D'accord, à tester. Mais le ballon, c'est pas comme ça! Donc après, faut que j'attende. D'accord, ok. Que ça se recharge. Ok. J'ai juste un petit rhume. J'ai pas bien dormi. C'est tout. Désolé, monsieur. Je vais vous demander de me suivre. Hé! Hein hey. Lâchez-moi. Laissez-le! Marc! Marc! Il est pas malade, laissez-le! D'accord, donc ça s'appelle la JTF, la maladie.
Ouais, donc Noodles, si tu veux que je te fasse le résumé, en gros, il y a une grave maladie, c'est un mode, un monde post-apo. Donc t'as, on va dire, allez, les... Je sais pas, 90% de la population qui est morte, apparemment. En tout cas, qui était malade, qui était contaminé. Et là, c'est le chaos. Et on est là pour remettre de l'ordre. Quelqu'un a dû passer avant moi. Pas de pitié. Merde, mon bouclier. Ouais, ça marche, mais bon, c'est vrai qu'il se fait niquer vite, le bouclier. J'aurais pas dû venir tout seul. Pupal, couvrez-moi. Pas d'un truc chez nous, c'est clair. Sors de là, trouillard. Je te vois. Non, il n'y a pas de zombies. Non. C'est vraiment de la guerre de... Enfin, de la prise de position et... de la guerre contre la racaille. Après, c'est... voilà. C'est du post-apo, donc la racaille, tu lui tires dessus, quoi. Ça va plus vite. T'as pas le temps. Et par contre, ouais, c'est... Ils ont fait un travail, ils ont fait un, comment dire ça, un travail sur l'environnement qui est monstrueux, quoi. Ils ont vraiment, ils se sont dit vraiment on va refaire une ville, la ville, de, enfin, en tout cas une partie de la ville de New York. Je sais pas si après on pourra aller sur les autres îles ou sur le territoire, sur les autres territoires de New York. C'est marrant parce que selon la situation, j'étais en mode gaucher ou droitier. Donc pas de zombies. Ça change un peu, quoi. Ça change un peu, là il y avait trop de jeux de zombies dans ce moment. Enfin, depuis les 5-6 dernières années. C'est quoi ça? Je pense que... Ouais, ah super, j'ai gagné de l'argent. Je pense que l'exploration sera quand même pas mal récompensée dans le jeu. Alors, je sais pas si... Vous le faites mal. Écoutez, moi j'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Mais remettre un os en place, c'est comme ça que ça se passe. Alors si vous voulez que je soigne votre copain, vous rangez votre arme. C'est une menace, connasse. Non, c'est la vérité. D'accord, l'objectif de la mission... Il y a eu contre le Madison Square Garden. La JTF et le CERA utilisaient le site comme hôpital de campagne. Mais des types armés sont arrivés et ils ont pris le personnel médical en otage. Nous avons besoin de ces otages. En particulier de Jessica Kendall, la virologiste en charge. Trouvez-les, elle et ses assistants. Envoyez-les à la base et éliminez tout élément hostile. Il est très verbeux, le jeu. On voit beaucoup d'informations à l'écran, là, quand je suis dans le menu de la map. D'accord. Là, j'ai activé le point de contrôle, d'accord. Par contre, il faudra sûrement que je revienne en ville régulièrement. Enfin, en ville. Balise déco actif détecté. Que je revienne dans la base régulièrement pour me recharger. Parce que ça risque d'aller assez vite quand même. Je
Putain, mais les mecs, ils sont tout le temps en train de... Mais monsieur, monsieur, on dort pas là. Monsieur. T'as des mecs, ils abandonnent, quoi. Je peux pas le... Le motiver, là. Motivation. Motivation. Ah non, il vient de mourir. Ah ouais. Putain, ça déconne zéro, quoi. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Ils retiennent ces données de Kendall et ses assistants. Putain, mais préviens-moi, là. Ils ont besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. Je viens de prendre l'explosion en pleine poire. On va rester ici pour couvrir vos arrières, et on escortera le personnel médical une fois que vous les aurez libérés. Tiens, casse-toi, civil. C'est le civil qui commence à rentrer dans le bâtiment. Donc, en gros, vous... Je vous en mettrai pas, mais bravo. Vous touchez la nouille, et moi, je vais aller combattre, d'accord. Par contre... Je vais prendre un soin, là, parce que... Ok. Par contre, il y a plein d'endroits à découvrir, là. Si je fais ça... Comment je les lance? Je comprends rien aux grenades là. Putain, ça continue là? What? Ouais, comme c'est online, y'a pas vraiment de pause. Toi, t'es mort. En d'armes. T'es mort. Ah si, je me fais couvrir. Gens qui tirent derrière moi. Ah donc ils vont quand même courir. D'accord. Hop là. Des frappes tactiques les gars. Super, je suis content que vous soyez là. Inquiète basket. Alors comment on lance les grenades? Attends, c'est... Question existentielle là. C'est G, grenade c'est G. Ça me permet pas de les lancer. Ça me permet de choisir mes grenades. Alors attends, on va revenir en haut. Utiliser l'arme, ouais. Viser, ouais. Recharger, ok. Bon, ça c'était facile. Interagir, d'accord. Gestion du groupe. Talent. Ah, il est talent, d'accord. C'est pour parler, donc ça je suppose que c'est le chat. C'est le vocal. Boire un soda, d'accord. Ah si, on peut quand même manger des trucs, d'accord. Grenade flash. Contrôle plus plus 2. Ah mais ça c'est pour le jeu. Hein? Ah, j'ai changé le style de balle. C'est ça? C'est des balles explosives, c'est ça? Quand j'appuie sur G, je fais ça. Ah! C'est parce que je maintenais G, d'accord. D'accord. Ouais, il doit y avoir des missions en groupe, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est un civil là en haut de l'escalier. Là. Bonjour monsieur, ça va? Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. Le mec était tranquille, hein. Il a pas vu ses potes se faire descendre en contrebas. Qu'est-ce qui se passe? Utiliser le clavier, ouais. Pour repérer... Je suis. Voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. Eh ben, c'est parti.
conseille de lancer une grenade, c'est ça? On dirait qu'il y a un groupe à l'étage, dans un restaurant. Ils sont assez nombreux. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Ah, c'est découvert, là. Ah, c'est carrément, t'as le terrain de basket. Waouh. On peut aller dans les gradins? Enfin, je suppose que non, mais... Ça a dû être... organisé. Je suis sûr d'avoir fait quelque chose. Là, je fais ça. On a de la visite. Alors, je fais un petit écho. Tac. On s'endort pas, les gars. Je suis sûr de voir quelque chose. Putain, la Bim! T'es mort! Oh my god! C'est qui le trouillard là? Une petite grenade pour les calmer là, calmer leurs ardeurs là. Oh my god! Tiens! Ça prendra être poli! Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Sérieusement? Ils sont combien? Ah, je croyais qu'ils n'avaient. Ah, si, ils arrivent du fond là! Bizarre, il était en violet lui. Ah, c'est qu'ils sont plus solides. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Cobbies. Est-ce que j'ai un truc qui clignote? Ah oui, c'est ma deuxième arme, d'accord. Ah, et c'est illimité le flingue? C'est trop facile. Nombre de points, elle est limitée. Enfin, en même temps, c'est pas vraiment un jeu de survie. Enfin, en tout cas, pardon. C'est plus un jeu de conflit. Ouais. J'ai ramassé des nouvelles grenades, c'est ça? Et grenade flash. Faut que je teste. Kamuta. Tac. Mais ils a pas mis du coup. Salopard. Hein? Roulade! Apparemment, ils ont complètement saccagé le garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. Ah bah oui, c'est le Main Square Garden. Ou je sais plus comment il s'appelle, le... C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y! C'est parti, allons saccager un restaurant. Au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Ils vont tous payer, je te le dis, moi.
Oh, j'ai fait péter un truc. Ok. Ah non, qu'il y a les éléments du décor. Bon, je suppose qu'il y a les bouteilles. Ah, on peut les péter, ouais. On peut péter sûrement les vitres. En tout cas, le... Ah oui, d'accord, il faut que je passe sur le côté. Putain, c'est compliqué l'architecture. Bonjour les gens. Ça va, tranquille? Restez à l'abri et vous faites pas repérer. Attention, okay. Élément hostile détecté. Ah, faut que je la protège. C'est le chaud là maintenant. L'escorte essuie des tirs en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. On est bloqué. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain ou on s'en sortira pas. À vous de jouer. Allez, on bouge. Ah, j'ai cru qu'il y avait un deuxième. Enfin, je nettoie le toit. Faites attention où vous mettez les pieds, tu m'étonnes. Putain, la structure, en plus ça doit être vraiment la structure du stade, ça. Impressionnant. Quand je vois les écrans géants qu'ils mettent là au milieu, là, c'est flippant, quoi. Quand tu fais un match de basket et que t'as sauté de ta tête. Une architecture qui fait plusieurs tonnes. Au-dessus de ta tête, y'a pas de problème. Escorte Alpha, on a un agent sur le toit. Est-ce que Kendall a rejoint votre position? Affirmatif. Elle et son équipe viennent d'arriver. Dès qu'on élimine les ennemis du toit, on les emmène en sécurité. Les mecs qui tirent avec des flingues sur les hélicoptères. Quoique ils ont... Ah putain, je mise mal. Tiens, prends ça déjà. Merde. Apparemment il y a des coups critiques mais je sais pas s'il y a les dommages localisés. C'est quoi l'éclair sur sa tête à lui là? Tiens, ta gueule. Putain, y'en a un sur toi là. Ah, c'est les mecs rapides, d'accord, avec un écart. Wow, nouveaux éléments hostiles en approche. Hop, je prends l'objet derrière le mur.
Oh my god. Une grenade, c'est ça? J'ai calmé le mec là qui me canarde là. Oh my god. Eh, je peux pas. Je peux pas sortir ma tête quand le mec me tire dessus là. Vache. Je suis même tenu déjà que c'est belle. Attends, ça revient pas sa protection, j'espère. Non, ça va pas là. Vas-y, garder mes grenades pour lui. Ce salopard. L'équipe médicale est en sécurité. Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, ouais, il faudra qu'on parle à Kendall. Moi sur le terrain et toi dans. Et toi dans ton bureau. Ça fait une équipe très efficace. Est-ce que je peux. Ouais, on voit les petits halos de lumière là. Pour les objets. C'était pas. Ouais, il y a des sacrés items lui. Ah cool. Ok, j'ai même pas besoin de les acheter les armes. Ah attends, c'est plutôt en secondaire. J'aurais bien un truc. Bah déjà là. Ça serait cool. À tester là. Ah si, il y a une lunette. Je me mets comme ça. Tac. Et on peut zoomer. Ah génial. Ok. Oula. Tu veux que je prenne l'ascenseur comment D'accord, comme ça. Ok. Ok. C'est les mecs de l'extrême, quoi. C'est tous des pros en rappel. Pas, mais bravo. Donc là c'est fini, là j'ai cette équipe avec d'autres agents. D'accord. Enfin là, je l'ai fait tout seul mais bon. Ça ouais, y a pas de problème. Pour aller à Jessica à la base, bon on y va, vas-y, sans face. J'espère que je pourrais. Ah, c'est cool! On voit l'état de. Restauration de la base, 0%. D'accord. Tiens, déjà rien que pour faire ça, à mon avis, c'est un peu le solo, entre guillemets, je suppose. Ça prend du temps déjà. Qu'est-ce que j'aimerais être sans le terrain? Ouais, ça donne quand même des grenades, hein, de base. Alors, donc elle est là, zone verte.
Regardez qui est là. Merci de m'avoir sorti du Garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les files de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Il y a pas de patients. Si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le Serra est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir. Carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous, vous faites quoi ? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Ok, bah ils sont quand même bien informés, ils savent... Donc ce serait un... quelqu'un qui a inventé le... Enfin, qui a répandu le... Le virus, d'accord. Ça pue. Ouais, mon guide de survie, alors... Ah, je peux rien faire, là. Ça me dit juste que j'en ai un sur 6. Ah! Ça coûte quoi alors? Chacal dispose de 10 améliorations. Ces médicales nécessitent des approvisionnements médicaux pour chaque amélioration que vous souhaitez effectuer. Ouais. Ils peuvent être récupérés en accomplissant des missions médicales et des rencontres médicales. Ouais, j'avais vu ça là. On voit ça sur les maps, c'est sympa le qu'on voit sur les maps. Chaque amélioration construite contribue au pourcentage de progression de l'aile, ok. Donc là... D'accord, donc j'ai 700. Ok. Donc normalement, bah, je suis obligé de... Ouais. Ah oui, donc il y a les récompenses de compétences. Selon le... Donc là, j'aurai du médical si je mets de l'argent dans le médical, quoi. Enfin, de l'argent, des points de médical. Ah, ça récompense avec des bonus, d'accord. Avec L, d'accord. Ah, je les ai vus de toute façon. Ah, ça c'est de l'amélioration. Vous devriez augmenter vos tarifs. Les nouvelles capacités sont disponibles, yes. Les premiers soins, j'ai vu. Enfin, un hôpital. Faut bien commencer quelque part. On a assez de personnel pour s'occuper des malades, mais on risque pas de manquer de boulot. On a aperçu des nettoyeurs en patrouille près d'un chantier. D'accord. Hé, hey, tu veux acheter un truc ? Te récompense ? Quelque chose te fait envie ? C'est quoi les ressources ? Ça marche, non? Je sais pas, tout à l'heure j'ai réussi à... Des dommages, enfin, pour toi. À mettre des bonus sur mes balles, apparemment. Ok, elle a pas de mission pour moi. On va aller dehors direct. Donc là, normalement... J'appuie sur elle. Ouais, c'est ça, j'ai des capacités médicales. Premier soin. Soigner tous les alliés dans un rayon limité. D'accord, ouais, c'est pour soigner les alliés. Ah, ça peut être envoyé à une cible éloignée, putain la vache. Ah, c'est marrant. C'est vraiment, je pourrais soigner quelqu'un que je connais. Qui est en difficulté mais qui joue pas avec moi, non? Enfin, qui est pas à côté de moi. D'accord. Alors par contre, je vais avoir de nouveaux objets. J'ai pas trop vu... Est-ce qu'il y a un point d'exclamation? Bon, renforcé, donc ça c'est cool.
une garde de garde. Ah ouais, putain, les stats font rien à voir. Reste, ça va. Masque, ok. Ah super, j'ai trouvé un laser. Alors attends, du coup ça sert à rien de regarder ça. On va y aller dessus. De toute façon pour l'instant... c'est pas ça que je vais faire ça. F-Mod. Ah ça c'est génial. Non, moi ça m'éclate. C'est con hein, mais ça m'éclate. On peut mettre un viseur. Yes. 0,50% de, d'XP en plus, c'est ça? Sur les chats. D'accord. Mais ça le fait ou ça le fait pas? Là c'est équipé déjà. Non, c'est pas équipé. Alors ça par contre c'est juste pour le contrôle parce que ça devrait baisser la visée ça. Ok, si c'est que du bonus moi j'équipe hein. Ah yes, précision laser, tu m'étonnes que je le mets. Ah d'accord, donc on voit. Ok, ça c'est cool. Mais en plus, il y a des emplacements, du coup, on peut pas mettre. Ouais, normal. T'as besoin de quoi? De rien du tout. Je veux pas de ta drogue. Ok. Je vais déployer la map. Ça c'est kiffant ça. Merde. J'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foutre. Les cadavres m'arrivent jusqu'aux genoux. Ça attire les nettoyeurs comme des mouches. Si j'arrive à pas me faire cramer, je devrais pouvoir rétablir l'alimentation. D'accord. Ah donc il y a un moment donné. D'accord, difficulté basique, les ennemis s'adaptent au niveau de la fin de la mission. Ok. Une de nos priorités consiste à rétablir l'électricité. Et si on veut une source d'alimentation sécurisée, je pense que notre meilleure option, c'est la ligne qui traverse le site du projet Passway. Une petite équipe menée par un ex-ingénieur militaire appelé Paul Rhodes était parti le faire, mais ils ne sont pas revenus. Et on n'a aucune nouvelle d'eux. Rétablissez l'alimentation électrique et retrouvez Rhodes. Et dans cet ordre. Le deuxième est important, mais le premier est vital. Ok. J'ai d'abord mettre... Est-ce qu'on peut mettre des points de passage? Non, on peut pas. Je pense pas. Je vais d'abord aller chercher les rencontres. Et bah pour l'instant, franchement, c'est super jouable. C'est bon, c'est assez basique pour l'instant au niveau scénario parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est essayer de rétablir l'ordre. Mais ouais, pour l'instant ça va. J'essaierai peut-être tout à l'heure de... Voilà, oh, qu'est-ce qui se passe ? De rejoindre des gens. Mais tout seul. On se calme. Headshot. Ce fils de pute croit qu'il peut se pointer ici. Oh là là, l'arme de, d'assassin. Ils avaient aucune chance de base. Ah, du coup, j'ai retiré la... D'accord, j'ai retiré la lunette de l'autre flingue. Ça, je sais pas. T'as aucune chance, mais tu le savais pas encore. Du coup, là, j'ai mis... D'accord. Je vais plutôt remettre la lunette sur... sur cette arme-là, du coup. Je savais pas du tout que ça avait retiré la lunette. Ah, du coup, il me propose... Ok, donc il propose tout ce qui est équipé. Bon, ça, c'est un... Je sais pas si c'est un... Non, c'est pas vraiment un défaut.
Il faut juste le savoir. Qu'en fait, ça correspond à tous les modes disponibles. C'est pour ça qu'il m'a dit voulez-vous le retirer. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. J'avais pas compris la première fois. Que ça allait retirer en fait de l'autre arme. Son mode. Ah, tiens. Fusil à double canon, génial! Bah, ouais, je le prends, ouais. Machin. Attends, faut que je l'équipe. Alors, du coup, je sais pas pour l'équiper. Ouais. Fusil à double canon, n'importe quoi. En mode chasseur, quoi. N'importe quoi. Je fais juste vite fait après pour voir les dégâts, mais je pense que c'est monstrueux. Surtout au corps à corps. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, je chasse le délinquant. Plus un balle incendiaire, ouais, c'est ça que j'ai pas encore pigé. Apparemment c'est des munitions incendiaires. Ou claquer un item qui fait que les balles sont incendiaires pendant un certain temps. Alerte, communication radio JTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Traçage du signal. Analyse terminée. Envoie des coordonnées. Ils y menaient. Non, je pense que je vais remettre. Non, c'était pour tester, mais je vais remettre le M1A beaucoup plus efficace. Bonjour, monsieur. Sans vous, on serait tous morts. J'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille de la JTF. Attention, force hostile en approche. Tango en approche. Oh non, ils se battent comme des rats. Non, non, je dis pas, tu réglerais la racaille comme ça, ce serait efficace. Je te raconte pas le massacre. Du coup, j'étais parti. Merde! J'étais parti rencontrer un mec dans le coin. Bah, j'ai dû le rencontrer, moi. Ouais, apparemment, je l'ai eu. Composants électroniques? Ah, on peut avoir des composants? C'est quoi ce délire? Attends, je peux faire le tour, je peux aller par là, non? Des frappes tactiques, les gars! Super! Bonne chance à vous. Ah, d'accord, c'est dans le magasin. Je pique un iPad. Ça va peut-être me servir après pour certaines améliorations. Ah, c'est super, je fais si t'as pas la porte arrière. Ah, en plus, c'est récompensé en plus. Cool.
On peut pas tout ouvrir, mais bon, c'est cool. Bon, je prends, c'est de l'XP, mais bon, vu que dans la bêta, ça sert à rien, à part de l'XP. Donc apparemment, on peut ramasser des portables, ou sûrement des tablettes, j'en sais rien. Attendez, en tout cas, des appareils... Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Des appareils téléphoniques, ou des appareils mobiles, comme ça. Et ça te donne... Enfin, ça va sûrement te... Tu peux sûrement les ouvrir après et écouter la log, quoi. Écouter la log audio. Donc c'est bien pour l'immersion. C'est dommage qu'il l'ait pas mis dans la bêta, parce que du coup ça aurait été bon, ça aurait été bien aussi pour un peu d'immersion en plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Y'a des connards! C'est un peu plus loin. Alors... Près d'ici... Ouais, y'a un mec que je peux rencontrer. Mais pourquoi il... C'est quoi, regarde, c'est quoi ce chemin? Pour aller là, il me fait. On aurait dit un GPS quoi. C'est les GPS modernes quoi. Il te fait faire un détour de malade. Juste pour aller là. Alors, je suppose que je peux passer par là. Messieurs. De vous dire que les crimes ne payent pas. Ouais, j'ai refermé la porte, pas de problème. Je peux pas les aider, ça c'est frustrant. La voix est tombée en train de mourir. Je vais essayer, je pense, de faire la mission. Ah, il y a des trucs ici. Essayer de faire la mission du technicien. Et après, je vais voir si on peut. Si on peut faire du multi, parce que c'est un peu le principe aussi. Faire une petite partie en multi. De l'eau, d'accord, ok. Je coupe pas derrière ça. Ok. En tout cas, c'était tout, apparemment. On peut pas y être. On va essayer de sauver des personnes pour l'abri. Ah, c'est des recherches sur le virus. Ouais, vu que c'est une thématique. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, bah ça se voit que c'est la bêta quoi. J'ai été coupé carrément du serveur. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Normalement ça continue jusqu'au. Oula!
Ils ont réussi à crasher le serveur, c'est ça? Balèze. Alors que normalement, ça, la bêta, c'est jusqu'au 21. Costaud les mecs. Allez, je retente. Ah. De toute façon, à mon avis, ça leur sert de. En tout cas, pour voir. Enfin, bon, ils ont de l'expérience là-dedans sur les serveurs, etc. Mais au moins, ils vont pouvoir voir. En période de stress, ce qu'on appelle de stress, entre guillemets, quoi. De... D'énormément de connexions en même temps. Pour voir si ça tient, quoi. Il y a peut-être un serveur qui a décroché, là. Pour la bêta. On l'a fait exploser, là. Ouais, c'est pas bon signe ça. Non, ça a tourné dans le vide parce que normalement il y a un pourcentage. Bon, on va laisser 30 secondes, mais bon. Bon après c'est pas grave hein, ça fait déjà un petit aperçu rapide. C'est dommage, j'ai pas pu jouer en multi. Là qu'est-ce qui se passe? Ah, par contre là je suis bloqué dans le jeu. Là je l'échappe, il se passe rien. J'ai rien fait, c'est pas de ma faute, j'ai rien cassé. J'étais trop fort là, le jeu, ils se sont dit putain merde, il est déjà niveau 6. Non attention, faut arrêter, sinon il va trop loin. Bientôt niveau 99. Du coup. Ouais, bah, du coup, à mon avis, c'est un peu dead pour ce soir. Bon, tant pis, hein, c'était juste pour tester comme ça. Hein.